La J31, enfin. Ça commence enfin à se dessiner, hein, pour le maintien, pour l'Europe, pour le titre, pas du tout, mais c'est intéressant. Salut à tous, footeuses et footeuses de famille, c'est Thomas, on parle prono de la J31. Allez, c'est parti avec les cotes basées sur le site Parlons Sport en ligne, le partenaire de la chaîne évidemment, avec donc 100 € remboursés en cash directement sur votre compte. Premier pari remboursé en gros, si vous êtes majeur, pas la carte des parents évidemment. Le lien tracking dans la vidéo. Les petits amis, tout comme Utip, hein, ça c'est une façon pour me soutenir de façon gratuite en regardant. Une petite pub de 20 secondes, vous avez droit à 3-5 pubs et ça me soutient financièrement. Ça ne mange pas de pain. Et c'est dans la description. Les petits avis, ça prend 1 minute en tout. 1 minute de votre temps dans la journée. Hein, c'est quand même pas mal, parmi 3600 minutes. Je calcule bien. Allez, résultat de la J30 avec donc Lyon-Nice, la victoire de Saint-Etienne, de Lille, de Paris et de Caen. Et ouais, match nul entre Angers et l'OM et Amiens et Bordeaux. Ce qui me fait 3 bonnes réponses, c'est pas terrible. Hein. Il y avait que 8 matchs également avec les matchs décalés, donc ça fait 37,5% pour moi, donc ce qui me fait un total de 43,5%. N'oubliez pas votre taux de réussite, c'est important quand même pour la progression. Allez, le top 5 dont parle prono de cette J30. C'est parti les amis avec donc Benjamin Gobert, 75%. Habitué, on parle prono sur Instagram. Nico Duchil, attention, 75% aussi. Avec Geoffrey Porto, un petit nouveau, 75% aussi. Avec donc Antoine Hartmann, 75%, bravo à vous. Et Malgorzata Hamidi, 75%. Bravo à vous 5. Puis amis, franchement, c'était quand même assez compliqué à trouver cette journée. Allez, fait spécial de ouf, c'était avant demain, carrément. Et les 5 autres bons pronos, tout comme la J29 qui seront sur Instagram, évidemment, dans les jours à venir. Les petits amis, Instagram dans la description, évidemment. Allez, on pronostique ensemble pour la J31 avec donc. Le gros match direct demain, 20h45, le Bordeaux-Marseille. Ça fait des piges, 1000 ans, hein, que Marseille n'a pas gagné à Bordeaux. Enfin, c'était à l'Euskure. Là, c'est au Matmut Atlantique. Donc, un peu compliqué de Bomberito. Je mets un match nul quand même, parce que les Bordelais sont habitués au match nul. Et il n'y a plus grand-chose à jouer pour les Bordelais. Les Marseillais, il faut qu'ils quand même se bougent le coquillard par rapport à la quatrième place. Une cote de 3,30, c'est quand même assez énorme. Même devant Victor de Marseille, franchement, il y a des sous à se faire. Donc, 3,30 pour moi, match nul. Le samedi 5 avril à 5h sur Canal+, avec Lyon-Dijon. Et les Lyonnais ont éliminé évidemment par Rennes en demi-finale Coupe de France. Le micmac, hein, l'affaire Genesio ou pas. Dijon mal embarqué, qui est avant-dernier, qui est dernier même. Donc victoire de Lyon à 1,22. Hein, sans gros surprise. Le 5 avril, le retour des multiplex avec 4 matchs, truc de ouf. Guingamp-Monaco. Guingamp, éliminé de la Coupe de la Ligue au pénalty. Perte, pas perte, défaite, perte ça veut rien dire. Défaite contre Montpellier 2-0, ils sont avant-derniers. Faut qu'ils se dépêchent. Mais Monaco a perdu contre Caen. Tu vois ma perte 2 fois, Monaco quand même. Donc Monaco 2-15, grosse cote aussi. Défaite des Guingampais. Amiens, Saint-Étienne. Amiens, plus grand chose à jouer. Ils ont 30 points à 7 points d'avance du barragiste. Saint-Étienne, ils sont en forme de ouf. Mais pas non plus dinguissime à l'extérieur, même s'ils ont mis un 5-0 contre Caen. Donc je vois un nul. Hein, à la licorne, avec 3,05. Il y a des cotes de ouf, hein, franchement, il y a un week-end de ouf à se faire. Hein. Avec Angers-Rennes. Rennes qualifié contre Lyon. Rennes, saison de ouf. Angers, il n'y a plus rien à jouer non plus. Grosse saison aussi, mine de rien, on n'en parle pas, mais ils se maintiennent assez tranquillement, les Angevins. Cote de 2,75 pour Rennes, donc je mise sur Rennes, qui sont en forme. Je pense que pente ascendante, et là, ils sont tranquilles. Avec donc Nîmes-Caen. Caen, entre guillemets, va mieux. Nîmes, il faut pas non plus s'inquiéter, il n'y a pas non plus y a un match en retard en plus contre Rennes, il n'y a pas non plus de panique. Cote de 3,70, je mets au Costières un petit nul. Voilà, carrément, avec un point important pour le maintien évidemment. Le dimanche 6 avril à 15h, 2 matchs, donc un duplex, façon logique. Avec Reims-Lille, gros match mine de rien, avec deuxième place pour Lille à conserver parce que Lyon va vouloir la chasser. Et Reims qui a perdu 4-0 contre Strasbourg, ils vont vouloir se venger. Mais c'est compliqué pour Reims. Parce que c'est la troisième défense. Donc je pense que Lille arrivera difficilement contre les blocs bas. Donc je vois un match nul avec cote à 3. Que des cotes à 3. Franchement, c'est incroyable. Avec Toulouse-Nantes. Nantes, défait au Parc. Polémique, on en revient. Hein, n'hésitez pas dans la vidéo, le débrief de PSG Nantes. Match nul, je pense. Toulouse. Voilà quoi. Toulouse a perdu 1-0 contre les Parisiens en championnat. Toulouse doit encore prendre quelques petits points. Donc je mets 2,35 au stadium. Franchement, des grosses cotes. Le dimanche 6 avril, toujours à 5h, il y a un gros match pour l'Europe. Par contre, là, franchement, Nice qui a été intéressant et Montpellier qui a battu Guingamp 2-0 en match en retard. Je mets match nul parce qu'ils ont du mal à marquer. Ils ont une bonne défense. Donc 2,95.
à la Lanz Rivera. Gros match pour l'Europe. Donc, ça sera en gros un nul qui n'arrange personne. Et le match de gala, PSG Strasbourg. Alors, le vainqueur de la Coupe d'Italie contre le finaliste de la Coupe de France qui cherche vraiment à faire encore une fois des exploits au point de vue domestique. Et je vois donc victoire de Paris, évidemment, avec une cote à 1,14. Je dis évidemment parce que je pense qu'ils sont injouables complètement. Même si c'est peut-être Strasbourg qui a peut-être été dérangé. Mais je mise quand même une cote de 1,14. C'est pas une cote. Enfin, bon, c'est tranquillement pour être remboursé, on va dire. Allez, taux de réussite. N'hésitez pas, les amis, franchement, à me calculer. Ça va m'aider vraiment à avoir votre progression par rapport à l'année. C'est à vous de jouer maintenant. Vous mettez vos pronos avec mes pronos, propositions de match. Vous effacez les miens et dans les commentaires. Vous avez jusqu'à demain à 19h45 avant le match de Bordeaux-Marseille en live évidemment sur la chaîne Thomas Parle Foot. Si tu défais tes potes, ramenez d'autres personnages encore une fois pour peut-être gagner un cadeau de ouf. Hein. Il reste 8 journées, il y a du temps encore pour voir le cadeau à la fin de l'année. Donc partagez la vidéo sur Twitter, Instagram, Facebook et Snapchat. Et abonnez-vous à la chaîne évidemment pour faire grimper et atteindre la barre des 25 000 abonnés, les petits amis. Et la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Allez, je vous laisse et je vous dis à demain pour Bordeaux-Marseille. Ciao, salut, 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 salut et salut. Oh. Bordeaux-Marseille, direct d'entrée, ça va être chaud. Ça va être très très chaud.